Et salut tout le monde, c'est Spico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin sur un nouveau jeu, ça fait très très longtemps. Mais bon, je n'y peux rien, je ne suis pas un développeur. On est sur le jeu 3DM Trainer sur Steam. Donc comme vous avez pu l'entendre, il s'agit d'un jeu de tir pour s'entraîner. J'ai essayé vite fait, il est pas mal. Donc c'est un peu comme le jeu M-Labs, si je ne me trompe pas. C'est exactement le même truc. Alors, voici, vous avez donc tous les modes de jeu, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Donc on va essayer de tous les faire. Et voilà, donc c'est parti. On va commencer par le premier en mode medium. Et voilà. Let's go. Ok. On est à 93,2% et overshoot et undershoot, j'en ai aucune idée de ce que c'est. On va tester juste le mode hard pour voir ce que ça donne. Je sens que ça va être encore plus difficile. C'est parti, on va faire le mode hard. Ok, il y a des distances un peu plus longues. La concentration est à son maximum, 95,2%. Ok, le mode hard ça va. Ok, on va tester le deuxième. On va le faire direct en mode... Il m'a l'air un peu plus complexe. Mode hard, écoute, on part de couille, vas-y, vas-y. C'est parti. Ah ouais, waouh. Ah oui, mais ma précision là va tomber, va tomber à zéro. Oh là là, j'imagine pas le mort de Medium. Je sais qu'il y a une vitesse. Même pas 52%, c'est la moitié hein. Vas-y, on va tester le mode medium, voir ce que ça change, mais je ne pense pas que ça va changer grand chose. Allez, le mode medium, est-ce que ça va changer quelque chose? Ok, c'est un peu plus au ralenti hein. C'est la vitesse qui a changé, j'ai l'impression. Aïe. Les couilles! Comment ils font pour tirer aussi vite les autres joueurs? C'est chaud hein, Pourtant je joue quand même assez régulièrement hein. Je suis un joueur correct tu vois mais... Ah, le orange il est casse-couille. Hein. Encore ça va, je tire que de près. Ah! Piste de. Ok. 60%? 56. Aïe 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 aïe, c'est chaud! Il y a un zombie survival, intéressant. Ok, zombie survival, il n'y a pas de difficulté. Apparemment, ok, on peut se déplacer.
Il y a combien de vagues J'en ai aucune idée. Tac. Tac. On peut changer d'arme. Ah. D'accord, le pistolet. Ah, ils attaquent la base. D'accord, ok, autant pour moi. Donc j'avais pas rêvé. Ok. On va savoir un peu plus de zombies. Oh shit! Ok. Il est mort. Hop là. Et que des zombies qui courent. Et mes couilles. Tower. Et en termes de PV, il reste quoi déjà plus grand chose Juste une petite barre là. Ah, pas faire l'enfer. C'est fini. 17% accuracy 67, d'accord. On a fait un score de 8175. On a un gold. Bon, ça va. Ok. Bounce ball. Ok, c'est des balles qui rebondissent encore en medium. On est prêt. Ah, on peut se déplacer là-dedans. Ah, il faut. D'accord, ok. Oh là là, c'est chaud. J'ai bien fait de mettre des jambes. Oh là là, mais quelle misère. Tu vois, le premier jeu, il est sympa, super sympa, mais... Dès qu'il s'agit de balles, c'est... Oh, c'est l'horreur. Mais c'est un bon entraînement, mais... Ça prend tellement de temps pour s'entraîner. C'est la dernière. Ok. Ouh. Précision 33%. Aïe, ça pique. Bot flip. Donc ça, il faut tirer sur une cible... Et sur la tête de préférence, j'ai l'impression. Ok, en medium. Shoot the red circle to start. Ok. Ok, c'est pour s'entraîner à mettre des têtes. Merde. Ah!
très très dur. Ouais, après, t'as un temps de réaction aussi. % critique, overshoot, 30 000, j'ai eu un bronze, boah, aïe, c'est tendu du string, sphere clash, donc faut tirer sur des petites boules, comme d'habitude en médium, ok, ok, sur un petit carré comme le premier jeu, mais c'est en version plus petit. Chiant parce que les balles ratées que tu mets ça compte quand même aussi. Putain. Vas-y, recharge. Ah là, j'ai fait que de la merde. 43% j'ai eu. Ouais, un silver. Le burst flick. Ok, c'est tiré sur deux bulles en même temps. Ayoken, ok. Ah ok. Ça c'est bien ça. Pain chaud, je sais pas quand ils font pain. Tac, tac. Non, je l'ai pas vu. Par contre, je pense qu'on peut changer l'arme à mon avis. Hein. Là, j'ai toujours la même, mais à mon avis, on peut la changer. Après, c'est un entraînement, donc quelle que soit l'arme, est-ce que ça change vraiment quelque chose? De toute façon, fusil à pompe, je joue pas des masses. Fusil d'assaut plutôt mitraillette. Sniper de temps en temps, mais. Donc ça va. Yes, je l'ai eu. Ah, c'est pas trop mal là. 88% silver. Ok, nice. On en est à. Bot switch. Ok, faut viser la tête aussi. Oh là là, quelle misère. Je fais pas exprès en plus, c'est super pas dur hein, à des moments. T'as l'impression d'être dessus, mais en fait pas du tout. Ok. 31%. Putain. Eh ben. Tac. Go figure. Il faut faire des figures. Ah d'accord, ça reprend. Ça reprend la. Ok.
Faut bien tirer, on est d'accord, je sens que ça marche pas. J'ai raté, c'est le premier. Ah, faut apparaître quand ça charge, putain, c'est casse-couille. Ok, on va attendre. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, le point. Ok, 1, 1. Ok, putain, alors je fais de la, je fais que de la merde. Putain! Ok. J'aime bien, ça redessine les trucs, c'est rigolo. Tu vois une grosse différence quand même. Ah! Merde. Faut aller vite en plus. Oh, c'est pas ouf là, hein. Bon, j'avais pas trop compris comment ça fonctionnait. 54% quand même la précision. Ok. Bot box. Alors, il faut rester sur le viseur, on a munitions illimitées. Oh, celui-là il va être chiant. Très très chiant. La concentration est à son maximum. C'était dernier. 38%, putain de merde. Island Ball. Il faut suivre aussi la bouboule. Ok. Ouais, c'est bien ça. Ok. Eggness Ground. Mission limitée. Oh, c'est chiant ça. Ah, oh, ça me stresse. Oh. Encore plus près, tu meurs.
là, il va faire tourner la tête, cet enfoiré. Ah, je te jure. Oh, l'enfoiré. Oh là là, celui-là c'est le pire. Oh, je l'ai même pas réussi à l'achever. 28%. Tant qu'on n'est pas en dessous des 20%, moi ça me va. Ok, faut tirer sur la cible. Mission limitée, je crois. Show the arcade and mirror its movement. Ah! Ah, ok, faut bouger en même temps la plateforme et tirer. Ah, mais c'est chaud! Ah. En même temps, ça va pas en entraînement, tu me diras. Hein. Mais sur une plateforme, c'est l'horreur. Wow, putain, arrête de bouger. Un peu, c'est moi qui vais tomber. Il est où? Par ces enfoirés. Allez, allez. Ah, c'est pas fini, merde. Allez, 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 allez. En force sur les yeux, en force sur les yeux. Aïe 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 aïe. C'est pas lui qui va me tuer, c'est la plateforme. J'ai failli tomber, on le voit d'ici. Je viens mourir. Voilà. Oh, j'ai mal aux mains. 45%. Ok, il reste plus que... Je l'ai fait celui-là ? Oui, je l'ai fait. Deux modes de jeu. On doit suivre la cible encore. Munition limitée. Elle est où ? Ah ! Ah, ça c'est le pire. Je prends mon temps. Ah. 49. Ok. Et le dernier mode, Flare Track. Donc, je crois qu'on n'a pas à tirer sur ce mode de jeu. Keep your aim on the target and track at the live. Ok, ça a tendu. Wow. Alors, mode difficile, ça explique bien le mode difficile. J'ai dû à ça beaucoup mieux. Ah! Putain. Vas-y, j'ai jamais vu une cible aussi rapide, moi.
C'est moi ou la dit la plus petite? Ah, y a pas de... Y a pas de truc, non. 70%, 22 000. Ah, y a pas d'autres résultats, ok. Bah du coup, on a fait tous les modes de jeu, y a pas d'autres trucs. Pour l'instant, ah, on peut faire des customs. Ah, on peut changer les armes. Ben voilà, vous avez les armes ici. La what? Attends, hein, j'ai envie de tester un truc. Il y a les armes de... En fait, vous avez toute la liste de jeux que vous avez. Et, moi qui joue à Warzone. Par exemple, là... Ah, c'est sympa, ça. Laquelle je vais prendre? La grosse A56, la Dragon 9, la Akimbo, la AK47, la M4-1. Alors j'ai pas l'impression qu'il y a toutes les armes, peut-être que si. La Kilo 141. Ben on va faire la grosse A56, on va tester sur celui-là. Là. Juste pour voir ce que ça donne. Effectivement, ouais. Bah, après je fais pas attention au skin, je vois pas si ça change quelque chose, mais... Pour moi c'est juste l'arme qui change, hein. Après voilà. De bien viser. Et c'est sympa qu'ils mettent les armes du jeu en question, ça c'est cool ça. Parce que M-Love, je pense pas qu'il le fait, hein, mais... Ok. Ok, bah franchement, il est pas mal pour s'entraîner le jeu. Je vous le conseille vivement. Alors, donc il est disponible sur Steam, il est gratuit, n'hésitez pas à le télécharger. Le nom du jeu, je vous rappelle, c'est 3DM Trainers. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker. Et j'espère qu'on se retrouve prochainement dans un nouveau jeu. Allez, à plus.